Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours, nous on continue sur notre lancée de snacks industriels version maison, version cake. Et il y a un snack industriel qu'on aime beaucoup beaucoup. Oh oui. Et c'est le aussi. Bounty, parce que l'accord chocolat coco, je trouve que c'est un des accords les plus gourmands, ouais, les plus régressifs et qui passe le mieux même quand on n'a pas très très faim. Et ici, on va vous faire un cake marbré choco noix de coco avec une ganache à la noix de coco. Ça va être assez simple, mais l'appareil à cake, vous allez voir, il est super travaillé, il va y avoir de l'huile de coco dedans, de la coco râpée, pas mal d'ingrédients, donc préparez les bols, anticipez, c'est exactement ce que j'allais dire, faites vos petites courses pour avoir toutes les petites pesées, c'est pas le genre de recette où vous dites tiens, bah, j'avais déjà tout au frigo, parfait, bon déjà il y a plein de trucs qu'il n'y a pas au frigo, si vous conservez la poudre de coco au frigo c'est bizarre, mais ce que je veux dire c'est qu'elle est complexe, mais pour autant très facile à réaliser, c'est ce qui est cool. Alors on commence tout de suite avec les appareils à cake. Dans un cul de poule, on va mettre les œufs avec la pesée de sucre semoule et on fouette vivement au fouet pendant une vingtaine de secondes pour éviter que le sucre ne les brûle. On ajoute ensuite le sucre de coco. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser un sucre muscovado ou même un sucre roux. Puis on ajoute la purée d'amande, la levure chimique et la poudre de coco. On ajoute également la pesée de lait de coco et on fouette le tout. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène et on ajoute la farine qu'on a préalablement tamisée. Vous pouvez l'ajouter en plusieurs fois pour faciliter le mélange. D'ailleurs, ce qui est encore plus simple, c'est d'alterner farine et crème liquide pour avoir un mélange qui soit toujours avec une texture parfaite. C'est en plus une technique qui vous permet d'éviter d'avoir des grumeaux dans la préparation. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la phase où vous ajoutez le beurre fondu que vous avez préalablement fait tiédir pour éviter de faire trancher votre cake. On termine avec l'huile de coco, ce qui vous fait un mélange vraiment axé sur la noix de coco. Et vous séparez la préparation en deux parts égales. Dans l'un des deux culs de poule, vous ajoutez le cacao en poudre et vous rajoutez un petit peu de crème liquide pour homogénéiser les textures. Une fois que c'est bien fouetté et homogène, vous mettez des petits cordons alternativement de pâte au cacao et de pâte nature à la coco, jusqu'à arriver au moins aux 3/4 du moule, si ce n'est quasiment à la hauteur. Vous agitez légèrement pour homogénéiser, et à l'aide d'un couteau, vous faites le mouvement que vous voyez à l'écran pour réaliser les marbrures. Vous pouvez enfourner pendant environ 45 minutes à 150 degrés. Regardez comme c'est déjà bien marbré. Une fois qu'ils sont tièdes, vous pouvez les démouler. Essayez de ne pas trop les démouler à chaud, vous risqueriez d'avoir un peu de casse. Voilà, on a un beau cake. On va maintenant lancer la ganache à la noix de coco. Et puis c'est déjà terminé, on vous retrouve juste après pour la dégustation. Dans une casserole, on va faire chauffer le lait de coco avec la crème liquide, ainsi que de la crème de coco et de la coco râpée. On fait chauffer le tout jusqu'à avoir un léger frémissement et on fait infuser ce mélange pendant 15 minutes environ sur un feu éteint et à couvert. Une fois que l'infusion est terminée, vous pouvez réchauffer le mélange jusqu'à avoir un léger frémissement, puis passer ce mélange à travers un tamis pour enlever la coco râpée. Ensuite, vous versez ce mélange bien lisse sur le chocolat blanc préalablement fondu. Et vous mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Voilà, vous avez une belle ganache coco. On va pouvoir la mettre dans un récipient à fond large, on la filme au contact et on la place au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Une fois que la ganache est bien froide, vous pouvez la mettre dans une poche munie d'une douille lisse de 12 mm.
et vous faites exactement ce que vous voyez à l'écran. Pas besoin que ce soit parfait, vous allez voir. Le but, ça va être de lisser cette ganache pour donner un effet de dôme sur le dessus du cake. Vous lissez d'abord bien les côtés et vous faites en sorte que l'arête soit bien nette. Et vous essayez de faire un dôme le plus lisse possible. Une fois que c'est fait, vous plongez le dessus de votre cake entièrement dans la coco râpée pour qu'il y en ait partout. Et ça vous donne un très joli cake Bounty. Vous avez vu comme c'est rapide à faire? Et quand même, j'ai envie d'être un petit peu grossier, ça a de la gueule. Dites-moi en commentaire si je suis allé trop loin. Si là j'ai dépassé les bornes et que vous vous désabonnez suite à ça. J'en suis désolé. Mmh. Oh la noix de coco. C'est bingo. Bing pot. Ceux qui ont la rêve du bing pot. Bien joué. Dites-moi en commentaire. C'est juste très très bon. J'adore que ce soit si simple. Oh, ouais. Ça pour le goûter au petit déjeuner, ça peut passer également, également. Très très bien. En dessert aussi. Vous nous direz en commentaire ceux qui l'ont testé si vraiment vous l'avez apprécié. Moi je suis particulièrement fan de cet accord. Après vous pouvez aussi le pimper comme vous voulez. Bien ajouter sûr. Un petit décor en chocolat ou bien un enrobage. Faites vraiment comme vous voulez. Nous ce qu'on aime beaucoup dans la pâtisserie et quand on apprend aux autres la pâtisserie, c'est de vous donner cette envie de vous émanciper, de créer les desserts qui vous plaisent aussi. Donc n'hésitez pas évidemment à refaire nos desserts, dans ces cas-là mentionnez-nous sur Instagram, mais aussi à créer les vôtres à partir de tout ce que l'on vous apprend sur cette chaîne. Si vous aviez envie par exemple de faire un glaçage rocher mais au lieu des amandes vous mettez de la poudre de coco, ça aurait été une super idée, ça aurait pu être très joli, rappeler la coque du Bounty. Ouais. Nous on a voulu mettre du chocolat que à l'intérieur du cake, contrairement au Bounty où c'est un enrobage, pour changer, parce que ça nous plaisait à ce moment-là. Vous voulez rajouter une coque en chocolat, vous le faites. Surtout vous faites-le si vous en avez envie, éclatez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. C'est vraiment important, ça nous aide beaucoup et en plus ça flatte notre ego à mort et on a tous un petit ego sur cette planète, vous nous comprenez, j'en suis sûr. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'approfondir vos connaissances en pâtisserie, allez regarder, je crois que c'est ici ou bien en bas dans la description, le Solidarity Pack qui vous offre des vidéos gratuites extraites de nos ateliers virtuels qui sont nos formations payantes de pâtisserie. Si vous voulez vraiment comprendre vraiment pourquoi on utilise tel ou tel ingrédient à telle ou telle température, allez-y, c'est ce qu'il vous faut. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt sur YouTube. Bye. Ciao.